Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Président du Tribunal cantonal, Mesdames, Messieurs les invités en vos titres et fonctions, citoyennes et citoyens et citoyens de Saviez et d'ailleurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la commune de Saviez est heureuse d'accueillir pour la deuxième fois de son histoire le grand baillif de notre beau canton. C'est en effet le 14 mai 1979 que Saviez accueillait Monsieur Georges Rotten, le premier Saviezan à avoir accédé à la fonction de président du Grand Conseil. Votre présence nombreuse en cette fin de journée montre votre attachement aux traditions politiques de notre canton et témoigne de votre reconnaissance à cette grande dame qui est notre concitoyenne, Madame Anne-Marie Sautier-Luyer. Nous lui devons le plaisir de nous retrouver devant notre maison commune pour la fêter dignement. Et maintenant, à tout seigneur, tout seigneur, tout honneur, je passe la parole à M. Sylvain Dumoulin qui va vous adresser son message. Madame la Présidente du Grand Conseil, autorités civiles, militaires et religieuses, Saviezannes et Saviezans, hôtes de Saviez et d'ailleurs,
Cette journée du 18 mai 2018 fait partie de ces dates qui resteront pour toujours dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, et surtout dans celui des Saviezaines et des Saviezans. Certains se souviendront du moment de l'élection de la présidente du Grand Conseil et de sa montée au perchoir pour prendre possession de son siège présidentiel et pour entrer officiellement dans sa nouvelle fonction. D'autres se rappelleront cette douce et conviviale fin d'après-midi passée sur cette pittoresque place de la maison de commune à l'ombre des marronniers. D'autres encore se rappelleront le discours que prononcera dans quelques minutes, depuis ce symbolique balcon, la présidente du Grand Conseil. Une chose est certaine, dès ce soir, cette journée est gravée à jamais dans le répertoire des dates qui ont marqué l'histoire de Saviezes. Heureux de vous voir nombreux ici aujourd'hui réunis, je me permets au nom de toute la population saviezane de féliciter officiellement Anne-Marie Sautier-Luyer pour son accession à la présidence du Grand Conseil. Elle remplit aujourd'hui d'honneur et de fierté le cœur de toute une communauté qui n'avait pas connu pareil moment depuis près de 40 ans. Elle mérite vos applaudissements nourris. Et derrière chaque élection importante se cache un ou une candidate de qualité. Il se cache aujourd'hui derrière le titre de présidente une grande personnalité, celle d'Anne-Marie Sautier. C'est cette personnalité que je souhaite mettre en évidence dans mon propos. J'aimerais également vous faire part du message qu'elle m'inspire en ce jour et que j'intitulerai les trois R. Le premier R, c'est le profond respect qu'inspire Anne-Marie Sautier. Respect tout d'abord pour l'enfant qui est né et a joué dans les ruelles de Saint-Germain et qui a grandi au sein de notre communauté en y vivant ses traditions, ses évolutions et sa politique. Respect encore pour la politicienne qu'elle a été durant toute sa carrière, fidèle à ses idéaux, loyale à son parti, compétente dans ses dossiers et surtout capable de conciliation et de bienveillance dans sa position. Respect finalement pour la femme qui a su s'imposer par ses qualités et sa personnalité dans le monde politique saviezan et valaisan, ce qui n'a pas été et qui n'est toujours pas facile. Anne-Marie devient aujourd'hui la plus haute autorité de notre canton, montrant ainsi qu'elle a su rallier tout le monde. Que le Pâques Apollinaire si cher aux saviezans t'accompagne et t'inspire durant ton périple. Gardons donc en souvenir à l'avenir cette journée historique gravée dans le marbre, mais rappelons-nous surtout le symbole que la personnalité de la femme que l'on célèbre aujourd'hui nous inspire et que l'on peut résumer en trois R, respect, reconnaissance et rassemblement. En guise de conclusion, mes remerciements vont à tous ceux qui ont œuvré pour organiser cette journée. Nous pouvons les applaudir en guise de remerciement. Il me reste finalement à vous souhaiter de passer une agréable et conviviale soirée. Jusqu'à ce jour, les seules femmes à avoir occupé sont nos sympathiques concierges pour arroser les géraniums. J'éprouve un sentiment de gratitude profonde envers vous tous qui m'avez permis d'accéder aujourd'hui à cette fonction de grand baïf au service de notre beau canton. Fonction éphémère, mais ô combien intense et enrichissante, que je me réjouis de vivre après avoir sillonné les travées du Parlement durant 13 ans. Je suis d'autant plus émue que cette commune me tient particulièrement à cœur, tout comme ce centre du village. Comme l'a dit le Président, je suis née dans ce quartier, à côté du Café du Centre, démoli il y a 30 ans, et depuis toute petite, j'ai arpenté les ruelles à proximité de la maison de commune, en compagnie d'amis très chers, dont certains aujourd'hui disparus, pour qui j'ai une pensée émue. Gamine, élevée en compagnie de trois cousins farceurs, j'ai rapidement dû apprendre à me défendre, et je crois que mon intérêt pour la politique a mûri aux 37. Observez cette bannière communale avec son épée dressée vers le ciel à l'image de notre clocher. Elle évoque pour moi différents aspects. La verticalité de l'être humain, destinée à traverser les années en regardant vers le haut, à ne pas céder, à ne pas caponner, face aux aléas de la vie que nous avons partagés avec mon mari Philippe, avec complicité, solidarité et compréhension depuis 40 ans.
moment douloureux, symbolisé par la croix que l'on peut imaginer à la base de l'épée. Mais aussi, moment heureux, symbolisé par le blanc de la lame et la naissance des enfants et l'arrivée du petit Martin. Et la couleur de la bannière, me direz-vous? L'un de mes amis, au langage plutôt aiguisé, dirait qu'il y a beaucoup trop de rouge sur ce drapeau et pas assez de bleu. Moi, j'y vois la couleur de l'audace qui a conduit nos ancêtres à valoriser leur terre en construisant le torrent neuf. De l'amour qui a attiré mon oncle, le peintre Chabas, sur cette terre savoisane. De la fidélité à nos traditions et à nos valeurs. De la passion qui anime nos sociétés, nos musiciens, chanteurs, acteurs, artistes et sportifs, que je profite de remercier sincèrement pour leur présence et leur participation aujourd'hui. De l'enthousiasme qui vous anime, vous tous, pour accueillir vos hôtes, et j'en profite également pour remercier mes contemporains. Cher Président, j'ai été profondément touchée par ton chaleureux accueil et par la générosité exprimée par l'ensemble du Conseil communal pour m'accueillir sur ces terres. Du fond du cœur, merci à tous pour votre soutien. Ich wünsche allen noch viele schöne Momente hier bei uns in Savies. Vos gérémas aujourd'hui et vos souhaits une bonne fête. Vive Savies, vive le district, vive le Valais et belle soirée. Merci à tous. Madame la Présidente du Conseil d'État, je vous annonce la fin de l'engagement pour le détachement d'honneur de la police cantonale. Monsieur le chef du détachement, le détachement, je vous remercie pour la présence de toute la journée, pour toute la fête. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Madame la Présidente. Détachement. J'adresse un chaleureux merci à monsieur le lieutenant-colonel Benoît Antier et à ce peuple de gendarmes qui va m'assurer de saint de cette journée. Nous allons passer maintenant au service du vin d'honneur et de la soupe à l'orge. Je demande pendant ce temps à la fanfare Rico du Pravé de se préparer devant les escaliers d'entrée de la maison commune. Voici les informations que je... Santé, merci. Ça va, merci. Merci, ça fait pas eu de verre.
Thank you.